Quand une amitié meurt, pourquoi on sent obligé de critiquer, de dégrader, de vilipender? Quand une correspondance n'aboutit pas, pourquoi on sent obligé de critiquer, de dégrader, de vilipender, de dire du mal de notre correspondant ou des personnes avec qui on correspondait? C'est incroyable, nous vivons une génération particulière, une époque particulière de l'humanité, où les gens ont complètement perdu le vrai sens de la personne, les vraies valeurs. C'est incroyable. Êtes-vous obligé de dire du mal de votre ex-partenaire puisque vous n'êtes plus ensemble? Êtes-vous obligé de raconter tout ce qu'il vous a ou tout ce qu'elle vous a dit en secret entre vous deux? Êtes-vous obligé d'aller dire à tout le monde combien il pue des aisselles, combien elle n'est pas tout à fait hygiénique, combien il a des problèmes d'argent, combien sa famille est en difficulté? Sommes-nous obligés d'être ce genre de personnes? J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens sont obligés de toujours dire du mal de ceux avec qui ils ont partagé leur vie. Des personnes qui autrefois étaient proches de leur vie, mais qui aujourd'hui, pour des raisons sombres ou obscures ou opaques, ne font plus partie de leur vie. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, je côtoyais une fille, une très jolie fille, très attirante, impressionnante. Elle était tirée à quatre épingles, toujours sur son 31, très intéressant. Et on a passé du temps ensemble, nous sommes une fois sortis, enfin, pour discuter, vous savez comment ça marche. Et pendant qu'on discutait, je lui ai posé la question de savoir, alors dis-moi, parle-moi de toi. Et elle me disait, ah ouais, tu sais, moi, je viens d'une famille assez particulière. Mon oncle a violé ma sœur quand elle était petite. Voilà, moi je me suis battu, j'ai réussi dans la vie, je suis entrepreneur, je fais ceci, je fais cela. Et puis tu sais, bon, mon ex dans ma vie, voilà, c'était un escroc, un menteur, il m'a bousillé mon argent, c'était un gigolo. Alors j'étais en train de regarder. Oh waouh, ton oncle a violé ta sœur. Ok, tu as réussi dans la vie. Okay. Tu as connu un homme qui était menteur, voleur, manipulateur, gigolo. Ok, on a discuté, on a parlé à la fin. Bon, voilà, on a payé. J'ai payé parce que, bon, voilà, les hommes classiques, ils payent. Hein. On paye. Je l'ai emmené chez elle. Et puis, c'était la dernière fois. C'était la toute dernière fois qu'on a passé du temps ensemble. Elle était une fille très intéressante. Géniale, apparemment. Mais cet élément, pour moi, était complètement inacceptable. Comment tu peux d'abord venir dans la... Tu viens, tu rencontres une personne et à peine, tu commences à dévoiler ta vie comme ça. Mon oncle a violé ma sœur. Qui a besoin de savoir ça? Tu ne connais pas mes intentions. Tu ne sais pas ce que j'ai derrière la tête. Mon oncle a violé ma sœur. Mon copain était un escroc, un gigolo, un menteur. D'accord? Ça pourrait être vrai, mais c'est tout ce qu'il était. Un gigolo, un menteur, un voleur, un manipulateur. Il n'y a rien de potentiellement positif qu'il avait comme qualité. Deuxièmement, quand tu viens, quand tu rencontres une personne pour la première fois, pourquoi tu veux dévoiler, tu veux sortir tes squelettes dans le tiroir? Les gens ne sont pas obligés de comprendre dans quel monde tu vis. Peu importe ce que c'est, une relation amicale, une relation amoureuse, un partenariat de travail, peu importe ce que c'est, les choses ne marchent pas toujours comme on le veut dans la vie. Et quelquefois, on prend des décisions qui sont peu confortables. Mais est-ce une raison pour laquelle il faut critiquer, il faut vilipender, il faut dénigrer ouvertement à tout celui qui est prêt à l'entendre? Il est franchement, même si bon, à tort ou à raison, votre partenaire était peut-être incohérent, mais est-ce une raison pour dire à tout le monde, toute personne prête à l'entendre, qu'il pissait sur lui-même, qu'il était puant? Vous savez, je rencontrais une autre fille qui me racontait une histoire sur sa vie. Et elle me disait, une fois, elle a rencontré un gars très intéressant, beau, élégant, grand. Et pendant qu'ils étaient en boîte de nuit, enfin, elle était sortie avec le gars, question de se connaître un peu plus. Et il y avait une autre fille, ravissante, qui, pendant un moment, est venue dire bonjour au monsieur. Elle a ensuite posé la question, alors c'est qui la fille? Le monsieur qui dit à elle, c'est mon ex. Ah bon? Ton ex? Mais elle est jolie, elle est intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Finalement, pourquoi vous avez rompu? Le monsieur qui dit, tu sais, elle paraît intéressante, mais c'est une fille qui ne sent pas très bon. On a passé du temps ensemble, en intimité, c'était dégueulasse. Et la fille, puisqu'elle était intelligente, elle a compris que ce monsieur n'en valait pas la peine. Et à partir de ce moment-là, bien qu'il y avait d'autres filles avec elle qui lui disaient « Non mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es froide? Soudain, regarde, il est là en train de s'amuser tout seul, va parler avec lui. » Elle dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » Et ça, c'est le genre de valeur que je respecte. Mettez-vous à votre... Pourquoi est-ce qu'une personne mature, intelligente, stable dans sa tête, irait dire de telles inepties, de telles bêtises à propos d'une personne avec qui elle a passé du temps? Même si elle puait,
Est-ce que ça en vaut la peine? Votre vie passée est votre vie passée. Nous connaissons tous des erreurs. Nous faisons tous des choses qui ne marchent pas. Nous connaissons tous des échecs à un moment ou un autre dans la vie. Vous savez, il y a une fois, une fille qui me parlait gentiment. Je suis chanceux, hein. Des fois, il y a des filles qui me parlent gentiment. C'est... Waouh, quoi. Elle me disait, Zach, tu sais, tu es vraiment mon genre de gars. Je t'apprécie beaucoup. Mais tu sais, mon ex, c'était quelqu'un de bizarre. Ce gars, il se servait de mon argent. Je lui ai payé son avion. Je lui ai payé l'école. Je lui ai payé ses caleçons. Ah, maman. Donc, moi aussi, si tu m'achètes caleçon, tu vas aller dire aux gens. Moi, je dis, maman. À peine tu me racontes, tu commences à me dire que... Non, attends. Donc, tu regrettes de l'avoir payé l'école. Tu regrettes de l'avion que tu as payé. Est-ce que ça me regarde? Et ce que tu feras pour moi, par hasard, ou peut-être sans que je ne te le demande, c'est ce que tu iras raconter aux gens après moi. Parce qu'il n'y a pas de certitude que même si on se donnait une chose, je serai vraiment ton mari ou tu seras vraiment ma femme. Parce que ouais, les choses, quelquefois, ne marchent pas. C'est ça. Moi, je me dis, si tu rencontres à peine et tu commences à me raconter des histoires sur ton ex, combien il était méchant, voleur, menteur, gigolo. Je me demande ce que tu diras sur moi plus tard. Pourquoi? Parce que qui te fait croire que je serai l'homme de ta vie? Que c'est moi qui t'épouserai? Ah oui, l'échec arrive. Hein. On ne réussit pas toujours à tous les coups. Les choses ne marchent pas toujours comme on le veut. Mais est-ce qu'il faut toujours être ennemi, méchant, violent, destructeur vis-à-vis de tout ce qu'on a connu dans le passé? Que ce soit en amitié, en entreprise, en business, en organisation? La maturité émotionnelle, c'est aussi savoir gérer, équilibrer. Es-tu obligé de dire à tout le monde qu'il pue de la bouche? Es-tu obligé de dire à tout le monde qu'il a de problèmes financiers, de problèmes d'argent? Nous devons grandir. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes blessé dans la cuisine, en train de cuisiner. Vous étiez en train de couper, je ne sais pas, de couper le poisson ou de cuisiner. Et vous vous coupez avec votre couteau. Hein, vous saignez, vous blessez, vous criez, aïe, je me suis coupé, tout le bazar. Et vous plaignez auprès de tout le monde. Regardez, je me suis coupé, je me suis blessé, et tout ça. Mais est-ce que vous en parlez toujours aujourd'hui? Parlez-vous toujours aujourd'hui de cette blessure que vous avez connue à cela 2 ans, ou 1 an, ou 6 mois, à travers votre couteau de cuisine? Absolument pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes guéri de cette blessure. Oui. Et cette blessure n'a plus d'effet sur vous. Si vous continuez à dire du mal sur votre ex-partenaire, votre ex-mari, votre peu importe ce que c'est, ça veut dire que vous n'êtes pas encore guéri de cette blessure. À partir du moment où vous guérissez de cette blessure, vous n'en parlez plus. Et même si vous avez connu une correspondance, une amitié, une relation la plus sordide, à partir du moment où vous guérissez de cette blessure, vous commencez à en parler en blaguant. Ce n'est plus des ressentiments, ce n'est plus de la rancœur. C'est juste, ah ouais, c'était une expérience intense, hein, c'est tout. C'est plus, lui, il est comme ça d'ailleurs, tu sais, les gens ne te méritent pas. Quand Dieu ferme une porte, Dieu t'ouvre une main. Ouais, d'accord, mais est-ce que le Dieu là, c'est seulement ton Dieu à toi? Tu penses que Dieu, il t'aime seulement toi, il déteste les autres. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Il peut arriver que les choses ne marchent pas. Ça n'a absolument rien à voir avec Dieu. Quand vous faisiez l'amour, vous couchiez dans la voiture sans autorisation de Dieu, Dieu n'était pas là. Maintenant, c'est maintenant que Dieu est là. Pour ne plus être amis et continuer à se respecter. Il y a des gens avec qui nous étions amis, il y a de cela très longtemps. Mais qui aujourd'hui, même si je vois son épouse dans les rues, je ne manquerai pas de lui donner un lift. Je ne manquerai pas de lui demander, madame, entrez dans la voiture, je vous dépose. Parce que voilà, il y a eu respect. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Toute amitié a des positivités et des négativités. Toute correspondance a une certaine positivité, peut-être une négativité aussi. Est-ce une raison valable de simplement se focaliser sur le négatif? N'avez-vous absolument rien appris de cette relation, de cette correspondance, de cette amitié? La maturité émotionnelle, c'est aussi savoir se taire quand c'est nécessaire. La maturité émotionnelle, c'est aussi savoir comprendre qu'on n'a pas toujours raison, que quelquefois on est le problème dans une relation, dans une amitié ou dans une correspondance. La maturité émotionnelle, c'est savoir ne pas toujours dire du mal de son ex-mari à ses enfants parce que ça n'a pas marché entre vous deux. Vos problèmes à vous deux, c'est vos problèmes à vous deux. Ce n'est pas le problème à lui et ses enfants. N'en faites pas un. Des gens émotionnellement matures sont capables, malgré leur séparation, de garder une correspondance assez fluide, assez saine, pour l'intérêt et le bien de leurs enfants. C'est possible. Nous ne sommes pas toujours bons, pas dans tous les coups. Quelquefois, nous sommes le problème. Et savoir le reconnaître est déjà une grande forme de maturité. Savoir garder privé ce qui est privé.
et public ce qui est public est une grande forme de maturité. La maturité, c'est aussi savoir enterrer ce qui est passé. Okay? Garder ça pour soi, sans tout à fait le dévoiler. Pas aller sur Internet commencer, ah mon ex, là où il est, lui-même, il sait qu'il regrette. Ah mon ex, il était voleur, tout ça. Mon ex, c'est moi qui l'ai fait après. Les hommes, vous n'êtes pas, comment vous dites ça? Les hommes, vous n'êtes jamais reconnaissant. Un homme, c'est un insatisfait mental, ou comment on dit ça? Un insatisfait éternel. Peu importe ce que tu fais pour lui, il dira. Ça ne prouve qu'une seule chose. Vous n'êtes pas guéri. La meilleure façon d'apprendre, c'est de se taire. On n'apprend pas en parlant. Même à l'école, voilà pourquoi on nous dit « chut ». C'est pour absorber la leçon. C'est vrai, c'est fini, c'est passé. Avez-vous appris la leçon? Quelle leçon avez-vous tirée de cette histoire? Vous êtes celui qui dit que tout le monde est mauvais. Lui, il était mauvais. Elle, elle était comme ça. Finalement, tout le monde sont mauvais. Ça fait combien? 12 personnes, tu as changé. Ils sont tous mauvais, mauvais. Toi, tu es bien. Nous devons changer. Et ça commence ici. Mon nom est Zach Mwikasa, le guerrier noir. Votre frère. Vous savez, dans les années 40, deux personnes travaillaient sur un projet intéressant, un projet de création de chaussures. Un projet qui a connu beaucoup de soubresauts parce qu'ils avaient des difficultés de correspondance, de travail. Ils se sont séparés dans l'amitié, ils se sont séparés dans le respect. Finalement, chacun a créé sa marque de chaussures. La première marque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Adidas. Et l'autre est la marque qu'on appelle Puma. Malgré leur séparation, ils ont continué à partager le secret de la réussite, dans le respect. Vous pouvez vous séparer d'une personne, comprendre que votre correspondance n'a pas marché, tout en gardant un niveau de respect. Vous pouvez chacun parcourir son chemin, tout en préservant la positivité qu'on a tirée de chacun. Toute relation amicale, amoureuse, de travail, vous apporte de la positivité et peut-être de la négativité. Mais si vous êtes de ces personnes qui ne gardent que des négativités sur, tout ce que vous avez, sur toutes les personnes qui partagent votre vie, vos relations passées, vos correspondances passées, les amitiés ne réussissent pas toujours. Tout ami ou toute personne que vous connaissez dans votre vie, pendant votre jeunesse ou à l'école, ne vous accompagnera pas nécessairement à votre tombeau, ou à votre mort, ou à votre vieillesse. Les amours, le mariage ne réussissent pas toujours. Mais est-ce qu'il faut nécessairement injurier, insulter, vilipender, dégrader la personne qui une fois a été la plus proche de votre vie? Je ne pense pas. Ne laissons jamais nos émotions primer sur la reconnaissance des biens que quelqu'un a apportés dans notre vie. N'insultons pas un boulot qui a une fois payé nos factures.